घर मात पिता सब
Punarapi jananam, punarapi maranam. Punarapi janani jatare shayanam. Punarapi jananam, punarapi maranam. Punarapi janani jatare shayanam. Iha samsare bahudustare. Iha samsare bahudustare. Kripaya pare pahi murare. Kripaya pare pahi murare. Le printemps, des fleurs et des fruits dans les arbres. Bien sûr, les oiseaux sont très heureux, comme vous pouvez le voir. D'une part, parce qu'il y a tous ces fruits et une végétation luxuriante. D'autre part, parce que tous les êtres humains sont confinés. C'est doublement la fête pour chacun d'eux. Vous avez vu l'image qui tourne dans l'ashram, sur nos toits, les paons dansent, même quand les paons ne sont pas là. Juste de joie, pas d'êtres humains, ils dansent simplement. Donc, laissez-moi vous lire un poème. Il s'appelle « Sale petite logique ». As flowers become fruits with a touch of magic spring. As flowers become fruits with a touch of magic spring. Green leaves did become flowers. Brown branches became leaves, knotted roots became a luxuriant tree, exuding the very plasma of life. All this from the soil that some call dirt. Is this a dirty life or the magic of creation? You shall know as per your incline. All this from the soil that some call dirt. Is this a dirty life or the magic of creation? You shall know as per your incline. Inclined to pay attention to the magic of creation or engrossed in your own dirty little logic. Celui-ci s'appelle Lock Up. Up, up not down. Pas down.
Do you need to be locked down or do you possess the needed sense to sanitize, distance and disinfect? Do you need to be locked down or do you possess the needed sense to sanitize, distance and disinfect? Are you in appreciation of those who strive for you? Are you in appreciation for those who strive for you, or are you a lout with a vulgar sense of entitlement, or a religious nut who can only live well in a paradise elsewhere? If you have no sensitivity to appreciate the dedication, commitment and selflessness with which doctors, nurses, police and even most politicians are striving to save your life and mine, what you need is not lockdown, lock up. Donc confinement jusqu'au 3 mai, après ça, enfermement. Eh bien, il y a... les bonnes nouvelles d'abord ou les mauvaises? La bonne nouvelle, c'est que certaines nations qui ont été durement frappées, comme l'Italie et l'Espagne, ont en quelque sorte repris le contrôle, mais avec confinement. Quand le confinement va être assoupli, ce qui va se passer, c'est un autre sujet. Mais en ce moment, le nombre de morts a considérablement diminué. Le nombre de nouveaux cas a diminué. Même en Inde, la tendance est à la baisse. Bien que la barre des 500 victimes ait été dépassée en Inde, la courbe plonge lentement. Et les foyers où des infections ont été propagés, soit par ignorance, soit intentionnellement, ils ont tous été barricadés et isolés, sous contrôle. Dans ces endroits, il y a un certain nombre de morts, donc eux aussi se mettent à être un peu disciplinés. Donc dans l'ensemble, ça plonge lentement, ce qui est très bon signe. Mais demain, c'est le 20, demain à partir de minuit, certains assouplissements vont avoir lieu pour certains types d'activités économiques. Bien sûr, l'agriculture et quelques autres industries vitales qui sont nécessaires pour faire fonctionner la société. Après ces quelques assouplissements, il faut voir comment la courbe va évoluer. Et le 3 mai n'est pas très loin, parce que le virus a fait preuve d'autres qualités qu'il possède, dont on ne s'était pas rendu compte au départ. On pensait qu'il n'attaque que le système respiratoire, donc on a cherché des solutions simples à cela. Mais maintenant, on voit qu'il endommage ce qui s'appelle les cellules T ou lymphocytes T, qui sont la principale force dans nos corps pour combattre le virus. Ils les perturbent, presque comme le fait le virus du VIH, ce qui veut dire qu'il détruit le système immunitaire à un certain niveau, peut-être pas à la même échelle que le VIH, mais de façon similaire. Donc ces nouvelles découvertes sur le virus crée beaucoup d'inquiétude, parce que notre seule réponse à cela était de renforcer le système immunitaire. Maintenant, nous n'avons pas encore de vaccin, on en est encore loin, autant qu'on sache à l'heure actuelle. La seule chose, c'était un système immunitaire renforcé. Mais il attaque le cœur de notre système immunitaire et le neutralise. Les cellules T ou les
ou les lymphocytes, en quelque sorte, ne savent pas qu'elles doivent combattre le virus, parce que le virus les neutralise. Cela crée beaucoup d'inquiétudes. Je crois que ça inquiète pas mal les scientifiques, car traiter ça uniquement comme un problème respiratoire ne va pas fonctionner, parce que ça attaque une autre dimension plus fondamentale de notre système humain. Donc, bien sûr, il y a les gens que j'ai mentionnés dans mon poème sur le confinement. Il y a des gens qui manifestent aux États-Unis. Quelques manifestations ont lieu contre le confinement, bien que ce ne soit pas un confinement total comme en Inde. En Inde aussi, il y a quelques personnes ici et là qui enfreignent le confinement et, vous savez, qui font des choses irresponsables. Aujourd'hui, le Premier ministre a appelé tous les jeunes de la nation à jouer un rôle moteur pour veiller à ce que le confinement soit un succès, parce que en en faisant un succès partiel, c'est juste une perte de temps et d'énergie et des dommages économiques pour la nation. Il n'y a que si c'est un succès complet que ça vaut le coup de confiner. Je me confine, mais tu ne te confines pas? Ça ne sert à rien. On peut tout autant tous les deux sortir dans la rue et tenter notre chance. Qui de nous deux va mourir en premier? Mais les femmes ont un avantage. Le virus tue en grande partie des hommes. C'est la bonne nouvelle que j'étais sur le point de vous annoncer. Parce qu'en général, les femmes ont des systèmes immunitaires mieux régulés, parce que le corps est équipé pour gérer la grossesse. Quand une grossesse a lieu, c'est comme un corps externe ou étranger dans le système d'une femme. Donc le système immunitaire est toujours plus régulé. Donc, il n'y a pas encore de chiffres publiés, mais en général, les gens disent que ce sont en grande partie des hommes qui meurent. Discrimination sexuelle, même avec le virus. Enfin, nous sommes heureux qu'au moins les femmes soient plus en sécurité. Donc, beaucoup de choses prennent forme, mais les deux grands sujets d'inquiétude, c'est que ils ne se cantonnent pas au système respiratoire. Des dommages aux reins et au foie ont été constatés chez certains patients. On ne sait pas si c'est un cas isolé ou si ça pourrait être une tendance. Et une chose plus inquiétante, c'est qu'il se comporte comme le virus du VIH, c'est-à-dire qu'il attaque le système immunitaire lui-même. Eh bien, comme la plupart d'entre vous le savez maintenant, le vrai problème avec ce virus, bien que son taux de mortalité ne soit pas aussi élevé que celui du SARS ou du MERS, ou même de la grippe espagnole du passé, le problème, ce sont les transmissions asymptomatiques. Il y a beaucoup de gens qui sont infectés, jusqu'à parfois 3 semaines, ils ne montrent aucun symptôme, mais ils le répandent. Donc c'est ça le vrai défi avec ce virus-là. Donc, tout cela étant dit, de toute façon, dans quelques semaines, l'activité économique aura repris. Mais la chose importante, c'est que même si le gouvernement assouplit le confinement, les gens doivent respecter leur propre confinement personnel, faire seulement ce qui est nécessaire et maintenir une distance, et tout ce que, vous savez, les bons gestes dont les gens sont devenus conscients, gardons-les, pas seulement pour le confinement, mais pour la vie, et nous laver comme il faut, pour ne pas créer une deuxième vague d'infection. Certains redoutent aussi que dans des pays plus froids, où les températures descendent en dessous de 7 degrés, probablement d'ici la fin octobre environ, certains scientifiques estiment qu'une deuxième grande vague va avoir lieu à ce moment-là,
Parce que l'hiver est une période où les gens sont naturellement plus susceptibles aux infections. Et il pourrait y avoir une bien plus grosse vague à ce moment-là. Tout cela étant dit, eh bien, un être humain est une créature résiliente. Nous allons trouver quelque chose. Avant cela, nous allons trouver quelque chose. Jusque-là, tout le monde doit maintenir une distance et c'est très très important pour votre vie, pour votre bien-être et le bien-être des autres. Vous pensez peut-être, je suis très fort, ou vous pensez peut-être, je suis prêt à mourir, parce qu'il y a des gens qui font ce genre de déclaration. Certains disent, je m'en fiche, je suis prêt à mourir, je veux sortir et faire ce que j'ai à faire. Vous êtes peut-être prêt à mourir, mais vous devez comprendre que vous êtes un gros problème à la fois en vie et mort. Oui. Si vous tombez raide dans la rue, un corps mort peut infecter des centaines de personnes. Donc à la fois en vie et mort, vous êtes un problème. S'il vous plaît, contenez-vous et veillez à ne pas être une menace pour tout le monde. Parce que ce sentiment de fierté et d'avoir droit est très fort chez les gens, tout un tas de gens. Peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles plus d'hommes meurent. Danger veut dire qu'en général, les femmes vont reculer d'un pas très facilement. Un homme ne peut pas reculer d'un pas, il doit s'avancer d'un pas quand il y a du danger. C'est son instinct naturel. Ceci est arrivé. Un Américain séjournait dans un hôtel de Londres. Et un autre homme arrive de Glasgow pour le rencontrer. Et quand ils se rencontrent, il lui demande... De quel pays êtes-vous ? L'Américain lui dit, de la plus grande nation au monde. Alors, cet homme de Glasgow dit, moi aussi, mais vous n'avez pas l'air écossais du tout. Donc, ces attitudes vont transgresser et faire beaucoup de dégâts. Ce n'est pas le moment d'être macho. Ce n'est pas un macho time, c'est le moment du virus. Faites un pas en arrière, c'est très très important. Il n'y a pas d'héroïsme dans cette situation. L'héroïsme consiste à sauver les vies des gens, l'héroïsme consiste à protéger d'autres gens. L'héroïsme, c'est ce que je veux faire, je ne vais pas le faire pour le moment, pour le bien-être de tous les autres. Ça, c'est héroïque. Je vous en prie. Cette question est de Rachel. Sadhguru, vous vous moquez toujours des religions qui nous promettent le paradis, mais vous avez aussi promis que cette vie est la dernière pour tous ceux qui ont été avec vous un instant. En quoi ces deux choses sont-elles différentes? Ce sujet est persistant, hein? Entre le paradis et ce que j'ai dit? Paradis veut dire ciel, paradis, peu importe comment ils l'appellent, swarga. Ce que ça veut dire, c'est que dans certains endroits, il y a de la très bonne nourriture. Dans certains endroits, il y a des rivières de vin. Dans certains endroits, il y a d'autres sortes de problèmes. Ceci est arrivé. Dans un état très spécial des États-Unis d'Amérique, appelé l'Alabama, et un dimanche matin, le professeur de catéchisme est tout feu tout flamme. Malheureusement, l'audience n'était pas comme vous, tous des tout petits. La méthode attraper les jeunes. Lancé à fond dans sa rhétorique enflammée, il s'arrête et demande, « Que devez-vous faire pour aller au paradis ?» La petite Marie, qui est toujours assise au premier rang,
se lève et dit, « Si je nettoie le sol de l'église tous les dimanches matins, j'irai au paradis. » Absolument. Une autre petite fille se lève et dit, « Si je partage mon argent de poche avec un de mes amis défavorisés, j'irai au paradis. » Correct. Un autre petit garçon se lève et dit, « Si j'aide ceux qui sont dans le besoin, j'irai au paradis. » Correct. Le petit Tommy se lève et dit, « Vous devez mourir en premier. » Eh bien, c'est une des qualifications, vous devez mourir en premier. Une fois mort, vous devez d'abord savoir, parce que, vous savez, notre livre sur la mort est intitulé « Un livre pour tous ceux qui vont mourir, seulement pour eux ». Et la plupart d'entre vous avez réalisé que vous êtes du genre mortel. Pas maintenant, je ne veux pas que vous mouriez du virus. Quand votre heure viendra. Donc vous êtes du genre mortel, vous devez savoir ce qu'il y a au paradis. Vous ne savez pas. Eh bien, au paradis hindou, la nourriture est très bonne. Si vous êtes un gourmet, c'est l'endroit où aller. Ils vont vous donner une... Il y a une assiette. Akshayapatra. C'est-à-dire que vous pouvez manger autant que vous voulez. Elle ne se vide jamais. Elle est toujours pleine. Donc si vous êtes un gourmet, le paradis hindou est l'endroit idéal pour vous. Si vous allez ailleurs, il y aura ces femmes en robe blanche, flottant dans les nuages. Si vous aimez ce genre d'ambiance, vous allez là-bas. Là-bas, la nourriture n'est pas bonne, pain sec et eau. Si vous allez ailleurs, vous serez confronté à des problèmes de vierge. Mais pour aller au paradis, vous devez d'abord mourir. Quand vous mourrez, la terre-mère réclame votre corps d'une manière ou d'une autre, donc vous arrivez au paradis sans votre corps. Quand vous n'avez pas de corps, qu'allez-vous faire avec de la bonne nourriture et des vierges? Qu'y a-t-il à faire? Pas étonnant que l'assiette soit toujours pleine et qu'elle reste toujours vierge. Si vous allez au réfectoire sans corps, la nourriture va rester telle qu'elle. Donc, si vous regardez tous les paradis du monde attentivement, vous verrez que ces paradis ont été inventés dans les têtes d'hommes pervertis. Les femmes n'ont même pas participé à la fabrication de ces paradis. C'est très clairement visible. Parce que vous n'êtes qu'une chose, une commodité. Vous n'êtes pas... Vous n'avez pas de siège au paradis, je veux que vous le compreniez, les femmes. C'est pour ça que le virus ne vous touche pas non plus. Donc... Je n'ai pas offert le paradis à qui que ce soit. Si vous comprenez, vous en tant que vie, vous en tant que personne, regardons cela en tant que personne. Vous en tant que personne avez été fait à partir d'informations, à partir de nourriture, de matériaux. Si l'on retire toutes les empreintes que vous avez, si l'on vous retire toute la mémoire en vous, je parle de la mémoire consciente, la mémoire inconsciente, la mémoire intelligible, la mémoire inintelligible, la mémoire karmique, la mémoire génétique, vous savez, la mémoire évolutive, tout. On vous retire toute la mémoire en vous. Croyez-vous que vous aurez une forme? C'est seulement parce que toutes ces mémoires fonctionnent en vous que vous avez pris cette forme. Vous pensez que vous êtes une personne. Vous êtes juste une certaine quantité de logiciels, très complexes, d'une certaine façon.
De nos jours, vous devriez comprendre ceci. Maintenant, ils construisent des êtres humains robotiques. Voyez, là aussi, les premiers êtres humains robotiques qu'ils créent sont des femmes. Comme vous avez été discriminé au paradis, on essaye de compenser ici. Donc, ils commencent à avoir leurs propres caractéristiques. Ils ont leur propre caractère, une personnalité, à eux. Parce que le logiciel devient de plus en plus complexe. Maintenant, lentement, une personnalité évolue. C'est tout ce qui vous est arrivé. Un logiciel très complexe, donc vous avez une personnalité. Donc si on défait ce logiciel, vous, en tant que personne, allez cesser d'exister. Donc c'est à vous de voir si ceci est une récompense ou une menace, mais ce n'est ni l'un ni l'autre, parce que avec une certaine quantité de... une bulle que vous avez créée, d'informations et de matériel, vous avez piégé une certaine quantité de vie et ça continue un certain temps. À un moment, ça doit se démanteler. Si vous... c'est comme un fruit. Une fois qu'il est mûr, il va tomber. Donc on parle seulement de faire mûrir la vie, rapidement. Vous voulez mûrir lentement, pas de problème. Mais avant de devenir suffisamment mûr, les perroquets, vous les entendez? Ils pourraient vous manger. Un garçon du coin va vous jeter une pierre et vous tomber. Avant d'être mûr, tant de choses peuvent vous arriver. Donc ce que quelqu'un de sage va faire, c'est que, une fois qu'il réalise qu'il y a une façon de mûrir rapidement, il va commencer à aller dans cette direction, aussi rapidement que possible. J'ai seulement dit que je vais vous faire mûrir de telle manière que naturellement le fruit va tomber. Je ne vous ai pas dit que je vais vous catapulter au ciel. Et je sais que si je vous donne une assiette qui est pleine de nourriture tout le temps, peut-être qu'une expansion illimitée va avoir lieu. Ce n'est pas une bonne assiette. Ces assiettes ont été imaginées à des époques de famine et de sécheresse, quand les gens n'avaient rien à manger. De quoi rêvaient-ils? Une assiette, chez eux, qui est toujours vide, avec une certaine grâce, si cette assiette devient telle qu'elle sera toujours pleine, Akshaya. C'est le rêve d'un homme qui a faim. C'est le rêve d'un homme dont la famille meurt de faim. Mais cette... heureusement, cette phase de la vie est révolue. Il est temps que vous rêviez à quelque chose d'un peu mieux. Il est temps que vous rêviez à quelque chose d'un peu mieux. Et les autres rêves, je ne veux pas les aborder, ça va devenir moche. Donc, je parle de vous faire mûrir et de démanteler la personnalité pour que la vie flotte simplement en tant que vie, dans toute sa magnificence et sa beauté, pas en tant que personne constipée. Une personne est une vie constipée, je veux que vous le compreniez. Peu importe la grandeur de votre personnalité, la personnalité est une existence limitée. Une fois que vous êtes ici en tant que personne, c'est vous contre l'univers. Que vous en preniez conscience ou non, c'est vous contre l'univers en permanence. Donc si vous en avez suffisamment vu, alors vous voulez mûrir rapidement. J'ai dit, je peux vous aider à mûrir rapidement et à tomber, pas à décoller. Cela peut paraître une menace, « Oh, donc Sadhguru va nous faire tomber ». Ce n'est pas mon désir. C'est la façon dont tout tombe sur cette planète. Vous savez, Isaac Newton vous a dit que tout ne fait que tomber sur cette planète. Il y a d'autres endroits, si vous lancez quelque chose, ça va vers le haut. Mais ces endroits, vous n'êtes pas fait pour y vivre. Là où vous êtes fait pour vivre, si vous lâchez quelque chose, ça va tomber. Et c'est un bon endroit.
Le bas n'est pas un mauvais endroit, en haut veut dire se perdre. En bas veut dire que vous avez trouvé votre terre, la planète la plus hospitalière pour vous. En bas veut dire que vous pouvez tomber et... Vous savez, la mangue veut tomber. Elle ne pense pas à votre plaisir en la mangeant, elle pense à tomber. Et elle arrive avec suffisamment de fumier que vous prenez pour un fruit. Et elle veut grandir. Un autre jeune manguier veut pousser à partir de là. C'est son désir. Elle est rendue sucrée pour que les animaux et vous aussi puissiez l'emmener au loin et jeter le noyau là-bas. Autrement, si tous les noyaux tombent à l'ombre de l'arbre, que faire? Il espère que vous n'allez pas manger le noyau. C'est le souhait du manguier. Je l'exprime juste parce que je suis amoureux d'eux. Le manguier espère que vous allez manger le fruit et avoir suffisamment de gratitude pour planter le noyau quelque part. C'est son souhait. Mais la plupart des êtres humains ne savent pas que les mangues viennent d'un arbre, ils pensent qu'elles viennent d'un rayon de magasin. Donc ils la mangent et le jettent à la poubelle. Non, non, le manguier espère juste qu'à partir de 1000 fruits qu'il a produits, au moins 100 vont être plantés. Au moins 10, 15, 20 par saison vont devenir de vrais arbres. Il l'espère. S'il vous plaît, ne décevez pas les manguiers et ne me décevez pas en allant au paradis. Parce que ça n'a pas l'air d'être un endroit super, d'après les descriptions que j'ai vues dans différentes cultures. La description du paradis n'est pas attrayante du tout. Je vois que le centre Isha Yoga est bien mieux que ce qu'ils ont décrit. Ici, les assiettes se vident dès qu'on a mangé. La question suivante est de Archana. Namaskaram Sadhguru. Hier, vous parliez de dévotion et de croyance. Ma question, c'est, les pensées et les émotions sont connectées et sont toutes deux créées par moi-même. Donc quelqu'un qui est dévoué peut aussi penser à l'objet de sa dévotion. Et quelqu'un qui croit en quelque chose peut aussi éprouver de fortes émotions pour cette chose. Donc comment se fait-il qu'un croyant soit moins qu'un dévot? Voyez, dans cette partie du pays en particulier, quasiment dans tout le pays, mais en particulier dans cette partie du pays, maintenant, certaines choses ont changé. Autrement, où que vous alliez, dans toute l'Inde du Sud, au sud du plateau du Deccan, où que vous alliez, des centaines et des centaines, pourquoi des centaines, des milliers et des milliers de temples Shiva, des dévots de Shiva. Ils ont passé leur vie, tout, à juste construire un temple. Tout roi devait construire un temple, toute famille de valeur. Ils voulaient construire un temple en y mettant tout leur argent. Si vous regardez le niveau de sophistication avec lequel ils sont construits, vous pouvez comprendre qu'ils ont dû y dépenser tout ce qu'ils avaient. Eux-mêmes vivaient dans de petites maisons, mais ils ont construit de magnifiques temples. Parce que c'est de la dévotion. Envers qui? Envers Shiva. Eh bien, Shiva est un destructeur. Partout, 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 il est clairement dit qu'il ne va pas lever le petit doigt pour vous. Mais les gens ont construit temple sur temple pour lui en dépensant tout ce qu'ils avaient gagné dans la vie pour lui. Un homme qui ne va rien vous donner. Et pas seulement ça, il vous regarde toujours comme s'il était sur le point de vous détruire. Vous connaissez cet incident où les sept sages, les Saptarishis, après des décennies d'études,
et d'apprentissage et d'expérience avec lui, il dit, partez dans différents pays, dans le monde entier, vous devez partir et faire connaître aux gens cette science, la science yogique, 112 façons différentes. Donc ils sont tous prêts, ils ne veulent pas partir, mais ils ne veulent pas le quitter et partir, mais il dit qu'ils doivent partir, donc ils le font. Donc ils disent, vous nous envoyez en pays étranger, nous ne savons pas quel genre de personnes nous allons rencontrer. Vous devez comprendre que ce n'est pas le 21e siècle, où vous savez quel genre de gens vivent dans chaque coin du monde, sur chaque continent, dans chaque endroit. Vous savez quel genre de gens vivent là, d'une certaine manière. À cette époque, ils ne savent même pas, dans une autre partie du monde, s'il y a des êtres humains, ou des géants, ou des démons, ou ce qui se trouve là-bas, personne ne le sait. Donc ils demandent, quand on va aller là-bas, on ne sait pas s'ils vont être réceptifs ou pas. Donc si jamais on est confronté à ce genre de situation, serez-vous là pour nous ? Il les regarde surpris et dit, quoi ? Si vous faites face à un quelconque péril de ce genre, dit-il, je dormirai. Pourquoi voudriez-vous construire un temple pour cet homme ? C'est ça un dévot. Je veux que vous le compreniez. Ça ne vient pas de l'intellect. Mais ces sept sages sont partis sans comprendre ce qu'il avait dit. Parce que quand vous dormez, vous faites un avec tout. Si vous dormez consciemment, vous faites un à 100% avec tout et consciemment avec tout. Voyez, quand vous êtes réveillé, vous êtes une personne. Quand vous dormez, vous êtes juste la vie. Il n'y a pas de limite, à vrai dire. C'est pour ça qu'on vous a dit, si vous pouvez créer cette petite conscience au moment où vous vous endormez, à cet instant, la transition de l'éveil au sommeil, si vous pouvez être conscient, quelque chose de phénoménal va avoir lieu. On vous l'a dit, mais vous dormez. Donc il dit, je dormirai. Il ne dit pas, je serai là, je vais descendre du ciel et vous sauver. Rien, il dit, je dormirai. Mais pour les dévots, peu importe. S'il va venir, ne pas venir, s'il va faire quelque chose, ne pas faire quelque chose, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation qualitative parce qu'ils comprennent, parce qu'ils savent de par... Ce n'est même pas une compréhension, ils savent de par leur expérience la plus profonde, leur dévotion les a transformés de façon si phénoménale qu'ils se fichent qu'ils viennent ou ne viennent pas. C'est ça la dévotion. Vous ne pouvez pas faire ça avec votre intellect. Vous ne pouvez pas faire quelque chose d'illogique avec votre intellect. Vous pouvez faire de la mauvaise logique. C'est quoi déjà ? De la sale petite logique, vous pouvez en faire. Mais vous devez avoir une certaine logique. Même l'idiot le plus illogique a sa propre petite logique, sale petite logique. Mais avec votre intellect, vous ne pouvez pas faire quelque chose d'illogique, parce que c'est la nature de l'intellect. Donc, la croyance a lieu au niveau de votre intellect. Vous essayez de créer de la logique à partir de quelque chose où il n'y a aucune logique. Tout le monde regarde vers le haut, vers le ciel. Ce que je dis, c'est que ça augmente, il n'y a qu'à regarder. Si vous regardez les vieilles vidéos des années 50 et 60, pendant les matchs de foot internationaux, quand ils marquent un but, ils sautent juste de joie ou se serrent la main. Ils font quelque chose. Ils ne se sautent pas au cou parce qu'il n'y avait pas de déodorant à l'époque. Mais personne ne regardait vers le haut pour remercier le Seigneur. Mais aujourd'hui, presque tout le monde, ou la plupart, dès qu'ils marquent un but, et dans les matchs de cricket, eh bien,
On a vu ça de très 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 nombreuses fois. La planète est ronde et elle tourne. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est le haut. Donc à coup sûr, vous ne savez pas où est le haut. Vos buts viennent-ils de là? Non. C'est juste que vous essayez de développer de l'assurance. Donc essentiellement, vous développez de l'assurance, la croyance développe l'assurance. L'assurance ne vous rendra pas lucide. L'assurance vous rendra comme un taureau dans la vie. Vous pouvez traverser la vie comme un bulldozer. Parfois ça marche, malheureusement. Ce n'est pas la nature de la dévotion. Voyez simplement comment se tient un dévot. Il n'est jamais assuré, toujours comme ça. Mais les croyants, parce que vous croyez des absurdités que vous avez inventées, un dévot n'a pas inventé quoi que ce soit. Il s'est juste adouci, 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 de telle façon que la vie a lieu d'une manière que la logique ne peut jamais créer, une intelligence au-delà des limitations de votre logique. Quiconque a suffisamment employé son intellect, si vous employez votre intellect, en un rien de temps, vous allez atteindre ses limites. La plupart des gens ne l'ont jamais employé avec assez d'intensité, donc ils pensent que leur stupide petite... quoi, sale petite logique. On devrait publier ce poème. Je commence à l'aimer. Que cette sale petite logique est sans limite. Donc avec cette sale petite logique, c'est votre sale petite logique qui dit que, en ce moment, l'endroit où vous vivez n'est pas bien, votre logement n'est pas bien, les gens avec qui vous vivez vous rendent malheureux. Donc avec votre sale petite logique, vous avez créé un meilleur endroit là-haut. Un dévot ne crée aucun endroit là-haut. Il se fiche de savoir s'il va vers le haut ou le bas. Tout ce qu'il sait, c'est que son cœur déborde de la douceur, de sa propre existence. Oui, il utilise peut-être un outil. Il utilise peut-être quelque chose qui l'inspire. Mais il n'invente rien. Donc c'est une différence fondamentale entre la croyance et la dévotion. Vous êtes... c'est comme ça. Les jambes sont faites pour marcher. Les mains sont faites pour faire des choses. Mais si vous entraînez bien vos mains, que vous les rendez très fortes, vous pouvez marcher sur vos mains. Et il y a des gens qui sont handicapés, certains qui ont perdu leurs bras. Ils font toutes sortes de choses incroyables, d'œuvres d'art avec leurs pieds. Certains le font, c'est fantastique. Mais vos jambes sont-elles conçues pour travailler? Et les bras conçus pour marcher? Non. De même, votre intellect est conçu pour disséquer, pour regarder les choses logiquement et déchiffrer quelques petites choses pour votre survie. Vos émotions ne sont pas créées ou n'ont pas la capacité de déchiffrer les choses. Elles savent seulement comment étreindre quelque chose. Si vous voulez connaître la douceur de la vie, vos émotions devraient jaillir. Si vous voulez comprendre quelques petites choses, votre intellect devrait fonctionner. Mais maintenant, vous utilisez votre intellect comme des émotions. Et vos émotions... les seules émotions que la plupart des gens connaissent sont le stress, l'anxiété, la rancœur, la colère. Une fois de temps en temps, uniquement sur Facebook, ils ressentent un peu d'amour. Parce que c'est l'endroit le plus sûr. C'est l'endroit le plus sûr pour une histoire d'amour, parce que vous n'avez jamais à rencontrer ces gens. Donc, comprenons cela. L'intellect n'est pas conçu pour inventer des choses de façon illogique, il est conçu pour déchiffrer la vie, telle qu'elle est. Sa dimension physique, sa dimension matérielle, pour que vous puissiez fonctionner efficacement.
Les émotions ne sont pas conçues pour ça. Les émotions sont conçues pour que vous fassiez l'expérience de la vie intensément. Si vous les utilisez dans l'autre sens, vous voulez marcher sur vos mains et travailler avec vos jambes, bon courage. C'est comme, ceci est arrivé. Shankaran Pillai marchait dans le Orly. C'est quoi? Le quartier Orly, Sea Face, à Mumbai. Post-confinement. Donc les premiers, une fois le confinement levé, les premiers qui vont sortir sont les criminels, les pickpockets, vous savez? Parce que les affaires sont complètement arrêtées. Donc Shankaran Pillai aussi part se promener. Donc un voyou armé sort un pistolet improvisé, lui colle sur la tempe et dit « Je vais t'exploser la cervelle, donne-moi ton argent. » Shankaran Pillai dit « À Mumbai, vous pouvez vivre sans cervelle, mais vous ne pouvez pas vivre sans argent. Vous pouvez exploser ce que vous voulez, vous n'aurez pas mon argent. » La cervelle est nécessaire, l'intellect est nécessaire pour certaines choses. D'autres sont nécessaires pour d'autres choses. Yoga, yoga, yogeshwaraya bhuta, bhuta, bhuteshwaraya kala, kala, kaleshwaraya shiva, shiva, sarveshwaraya shambho, shambho, maha